Bon, je compte sur toi, tu mets le setup en place, tu vérifies que tout est bon, et comme ça on est ok, et on fait ça vite fait, bien fait, comme des professionnels. Je compte sur toi, hein. Malala, mais qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Ah là, et la caméra, mais ça va pas du tout, ça. Non, non, non. Voilà, là. Un peu plus à droite la lumière. Non, pas. J'arrive, laisse-moi faire. Pas la peine, hein. Un coup de patte comme ça, j'en ai pas besoin. Ah là là, je peux tout faire soi-même ici, hein. Bon, c'est bon, Nana, t'as tout réglé? Évidemment que c'est bon. Qui veux-tu qui s'en occupe d'autre? Évidemment. Ouais, du coup, c'est bon, je peux y aller, là, Mais les oui, réglages sont OK, évidemment que j'ai t'es fini. sûr? Tout est bien réglé. Tu peux y aller. Allez. Tu peux y aller. Gloire à vous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top Solide, mais qui est tout de même un peu spéciale quand même, on va pas se mentir, puisque ben, c'est la 100e de la chaîne. Donc, du coup, pour ça, on a une petite annonce, toute petite comme ça, à glisser au passage, furtivement, vous verrez, on n'en parlera plus du tout pendant les prochains mois. Non, vous le savez, en tout cas pour ceux qui m'ont croisé là-bas, on a fait Eurobois à Lyon en début d'année et il se trouve que ça a plutôt pas mal marché. En effet, pour nous, si vous ne l'aviez pas compris ou si je ne vous l'ai pas déjà dit 50 fois, Eurobois, clairement, c'était un test. On a préparé Biblidéo et je ne savais pas quelle ampleur ça pouvait prendre. Parce que c'était, entre guillemets, voué à rester dans un tiroir et alimenter quelques clients qui auraient été séduits par le produit et finalement, ça n'aurait pas plus d'impact que ça. Ou est-ce que ben, on pouvait aller à plus grande échelle et ben sans dire que chaque soir, minus, qu'est-ce qu'on va faire conquérir le monde? Non, mais déjà faire avancer les entreprises sur Top Solid, c'est déjà un grand pas en avant. Et du coup, fort de ce succès, en tout cas à notre échelle, à Eurobois, à Lyon, on s'est dit qu'il y avait un autre salon à faire. Et des gens pensés et réfléchis auraient probablement fait ça bien et auraient préparé Eurobois en 2026. Ou alors, ils iraient à Batibat à Paris en fin septembre, par exemple. Par exemple. Du coup, comme on est des gens sensés et réfléchis, on va à Batimat. Il y aura toute l'équipe vidéo, on sera tous là, sans exception, on fait tous le déplacement pour se relayer et tenir les 4 jours de salon, puisque Eurobois était éprouvant et on était déjà à 3, on a eu du renfort de partout. J'ai la secrétaire qui est venue, j'ai mon associé qui est venu de la boîte d'agencement qui était venu le pauvre pour faire du repérage et aller discuter avec des fournisseurs, et finalement il a passé la moitié de la journée à faire le commercial avec moi, donc du coup je la remercie beaucoup. J'ai mon meilleur ami qui était sur le stand aussi et qui va remettre ça. Donc du coup, on aura vraiment toute l'équipe qui joue le jeu et qui vient sur Batimat pour vous rencontrer, pour échanger, pour vous présenter ce qu'on fait une nouvelle fois. Pour ceux qui nous connaissent, bah, même pour essayer. On monte avec le matériel, on aura deux PC pour que bah, on puisse essayer en live avec deux personnes qui seront là pour vous faire essayer, pour vous faire manipuler la bibliothèque, que vous puissiez vous rendre compte concrètement de comment ça fonctionne, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on fait, de où est la magie. Que c'est bien joli de voir dans les vidéos, ah oh, ouais, ça va vite, c'est lui qui le fait. Et bah, si c'est vous qui le faites, la magie est toujours là, il y a bien quelque chose. Donc voilà. Bah écoutez, nous on est plutôt fiers de cette annonce, hein. On verra, j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer là-bas encore une fois. Et pour d'autres de nouveau, bah, que ça sera peut-être même l'occasion de se rencontrer, de boire un café, de discuter, d'échanger sur le métier, d'échanger sur Top Solid, sur l'utilisation que vous en avez, sur les sur qu'on en a, sur ce qu'on peut en faire, sur ce qu'on veut en faire, parce qu'il y a quand même autant de projets, d'idées que de sociétés qui peuvent exister. Et donc ça promet des choses vraiment intéressantes, je pense. Affaire à suivre. Du coup, mini astuce vidéo quand même, Top Solid, pardon. Faut bien qu'on en fasse un petit peu, enfin, histoire de dire que concrètement, si on regarde la vidéo, c'est quand même produit Top Solid au départ, au moins. Et je vous propose un truc, comme d'hab, ô combien inutile, mais joli. Donc du coup, c'est comme tout, plus c'est inutile, plus on en a besoin. Et je vous propose de rentrer directement dedans. Hop, un nouveau document. Alors, l'idée, c'est que quand je vais piocher dans la bibliothèque, et que je vais prendre, disons, au hasard. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, ça n'a pas dû être fait. Voilà. Mais donc là, vous voyez, j'ai fait des composants, tiroirs, bon, peu importe, on est content, c'est pas le sujet.
Et vous voyez qu'ils sont enregistrés certainement comme vous, donc sur mon fond d'origine, hein, qui est le fond qu'on voit là derrière, et dans la position de... ah ben non, justement, hop là. Pardon, dans la position de là où ils étaient au moment où je les ai faits. Et sauf que moi, ce qui m'intéresserait, ben, c'est d'avoir une jolie image, là, parce qu'il y a des fois, on a des trucs... c'est vraiment pas ouf. Voilà, l'entretoise, le bout de support où on voit le truc repère. Ouais, voilà. On a des choses pas folles, pas folles, pas folles. Et donc, par exemple, mon tiroir à l'anglaise, c'est là en 40 kg. Bon, ben, j'aurais pu avoir un truc quand même vachement plus sympa. Pour faire ça, parce qu'en fait, c'est juste un réglage par défaut, il suffit de le savoir. Donc, c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Foncez sur Documents, pardon, ici, et dans Aperçu. Et dans Aperçu, vous allez vous régler comme ça. Vous avez le mode de calcul soit par défaut, soit comme la page d'accueil. Moi, je vais mettre comme la page d'accueil. Et en dessous, vous verrez que vous pourrez du coup choisir l'orientation de la caméra, donc soit courant, mais donc ça va vous donner l'enregistrement que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire dans la caméra telle qu'elle est au moment où elle est, soit automatiquement en perspective. Moi, je ne me prends pas la tête, je le mets automatiquement en perspective. Comme ça, je n'ai pas à penser à bien me placer pour prendre la jolie photo quand je vais l'enregistrer. Et couleur de fond, bah, comme le fond top solide dans les aperçus, ça rend pas beau, moi je mets le blanc. Du coup, si maintenant, à tout hasard, j'allais chercher, encore une fois, à tout hasard, mon fameux tiroir à l'anglaise. Que je le pose courageusement ici. Ouh là là, qu'il est joli. Que je vais en voir le modèle, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Je fais juste un petit enregistré. Et à partir de maintenant, vous voyez qu'il s'est automatiquement mis en perspective, en rendu réaliste. Le fond est blanc, j'ai pas les repères, j'ai pas les éléments. Et donc du coup, si vous faites bien le boulot, vous aurez non plus des images comme celle-ci, mais vous pourrez avoir par exemple, si j'en prends un, tiens, bah, le caisson d'angle, avoir le caisson présenté directement, voilà, en perspective, joli, sympa. Alors après le rendu, moi je mets les matières moches volontairement, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour voir quand est-ce que j'ai mis les matières ou pas. Mais si vous prenez le temps de renseigner des matières directement dans la base, et ben écoutez, ma foi, vous aurez directement le caisson tracé, avec les bons éléments et sans tous les éléments perturbateurs et moches, et vous aurez un super rendu dans votre bibliothèque directement avant l'insertion. Tada! Ah, vous avez prévenu que c'était pas la folie, ce serait pas d'une utilité incroyable. Reconnaissez quand même que c'est la classe. Ça fait des mois que je vous tanne avec les petites icônes personnalisées, le fait de structurer, de nommer correctement, de bien ranger, de bien ordonner. À faire, on va jusqu'au bout du truc, c'est quand même plus plaisant à travailler, et puis même ne serait-ce que pour quelqu'un qui, non, en vrai, même quelqu'un qui connaît pas les bibliothèques. Quand c'est un caisson, bon, on dirait ça, ouais, mais n'empêche que ça permet de se rendre compte tout de suite de la tête que ça a. Et quand vous l'avez de présenter dans le bon sens et que vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, et que la prévisualisation vous permet directement d'identifier comment c'est fait, c'est quand même vachement plus sympa en termes de recherche pour pas perdre de temps, parce que la recherche texte, c'est bien, la recherche avec les yeux, c'est mieux. Enfin, en tout cas, ça va être vachement bien, quoi. Donc, je retire ce que j'ai dit. Non seulement c'est pas utile, mais c'est même pertinent. Voilà. Et puis, c'est dans la suite logique. On avait fait les petites icônes, vous savez, pour mettre dessus le A3, A4. Ouais, ça vous parle peut-être pas. Je vous remonte. Attendez, bougez pas. Hop. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ces petites icônes qu'on avait mis à dispo dans je sais même plus quelle vidéo, en vrai. Pour ma défense, il y en a plus d'une centaine, enfin il y en a une centaine maintenant. Ou ben voilà, quand je lance par exemple, ça pour moi c'est mes documents pour créer un outil. Ça c'est mon document de test. J'ai un environnement qui est déjà tout fait avec des questions, des éléments, prêt à acheter des choses dedans pour pouvoir essayer. Celui-là c'est quand je sors un plan au format A1 horizontal. Celui-là, je vous laisse deviner. A3 horizontal. A4. Bon ben voilà, vous avez compris le délire. Et je me suis fait du coup des petites icônes pour venir mettre dans ma page d'accueil, et que comme ça, ou même tout simplement dans ma prévisu top solide, quand je fais un nouveau document, et eh bien j'ai ces petites images-là qui apparaissent pour mon lancement. Bon, et eh ben à d'autres égards, par exemple, notamment pour les scripts, on est en train de travailler sur quelque chose qu'on va bientôt vous montrer. Et eh ben tout simplement, comment mettre une image pour les scripts, hein, puisque ça va être le même principe, et d'avoir quelque chose qui parle. Hein, aujourd'hui, la fenêtre du script, c'est bien, mais c'est pas fou, tout simplement, parce que ben ça vous affiche une image, encore une fois, comme le 3D. Hein, du moment où c'est enregistré. Tombe bien, ça ressemble à rien, un script. C'est vrai, c'est carrément bien pour s'y retrouver.
Alors que ce qu'on s'est dit, c'est que si un script de numérotation, par exemple, on voyait en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessus, même moi qui suis pas hyper fut-fut, si vous voulez, je comprends. Et genre moi, par exemple, j'ai deux scripts de numérotation, un qui efface l'existant et pas l'autre. Bon, on comprend vite lequel des deux efface, et il faut faire gaffe, et pas l'autre, quoi. Et donc, dans l'idée, comme ça, ben, on a préparé tout un tas de petites icônes qu'on va venir faire bosser et qu'on vous filera, hein, vous inquiétez pas, vous imaginez bien que de toute façon, il vous le montre, c'est pas décoratif. Ça finira bien chez vous d'une manière ou d'une autre. Mais l'idée, voilà, c'est d'arriver à faire quelque chose bah, qui permet d'avancer et puis de rendre le logiciel un peu plus attrayant, un peu plus intuitif. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, quand on rentre dedans, c'est bien, il y a 12 000 façons de faire et 27 000 options derrière. Ouais, c'est aussi le problème. Il y a 12 000 façons de faire et 27 000 options. Un petit guide, des fois, c'est cool. Genre, hein, tu cliques là, tu vois le bouton, c'est marqué 1, 2, 3. Ouais, ça fait des numéros. Ça met 1, 2, 3 sur les pièces. Bon, bah... Ouais. Ça donne des repères visuels, au même titre que la bibliothèque, au même titre que la petite icône, au même titre que les éléments pour les nouveaux documents, au même titre que ce qu'on vient de voir pour faire les bons rendus sur les prévisions top solides. C'est quand même vachement plus sympathique à travailler. Bon, mais écoutez, sur ce... Ne reste plus qu'à vous répéter encore une fois qu'on va participer à Batimat, que j'espère vous croiser là-bas, que ce sera avec grand plaisir qu'on prendra un café, le temps de discuter d'agencement, de top solide et de tout ce qui nous plaira sur le moment, puisque après tout c'est un moment de partager les gens, autant en profiter. Une dédicace toute particulière à notre ingé son technicienne réglage, optimisation de caméra, tout ça. Gloire au petit chien Nala, qui est la secrétaire officielle de la boîte, n'est-ce pas, hein, évidemment, et qui nous soutient outrageusement dans toutes nos bêtises et dans toutes nos folies, du coup. Gloire au petit chien.